Bonsoir. Comme disait le père Richard, je suis timide, mais je vous soigne. Bon, on a essayé de récapituler notre histoire dans la maison. Beaucoup de personnes y sont passées, y compris comme ce soir. Sénégalais, maliens, guinéens, comoriens, japonais, tous sont venus nous voir là-bas. Tu dors là où ils n'ont pas dormi, ils étaient là, ils sont passés. Voilà. Donc on peut dire que le monde était représenté parmi ces gens. Voilà. On a partagé. On a partagé de culture. Convivialité. C'était un espace de convivialité, un lieu de convivialité, de culture, d'échange. Parmi toutes ces nationalités, que ce soit guinéen, sénégalais, ouest africain, comme ça, asiatique, et tous sont venus par là. Et aujourd'hui, brusquement, on dit de nous quitter avec ça, pendant 15 ans. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? C'est souvenir qu'on a laissé tout ça. On est des. Voilà. Donc. Donc aujourd'hui, ce rassemblement, c'est pour ça. C'est pour faire vivre des gens et faire savoir aussi les gens tout ce qu'on a partagé ici qui est valorisé. C'est des valeurs culturelles et humaines. C'est ça qu'on devrait mettre à l'avant que des valeurs matérielles quand même, quoi, je suppose. Voilà. Et depuis aussi, avec l'aide des gens et des voisins, qu'on ne cessera jamais de remercier parce qu'ils ont été là depuis au début jusqu'à la fin. Ils ont été là, ils ont soutenu. Donc, nous les remercions. Nous remercions aussi. C'est ce qu'ils pouvaient et qu'ils ne pouvaient. C'est ce qu'ils voulaient et qu'ils ne pouvaient pas, comme on dit. Il y a des gens qui veulent et qui ne peuvent pas. On les remercie ici. C'est que ça, c'est la compassion. Et on est très ravis de vous avoir et que vous ayez compati à notre problème. Voilà. Et depuis. Aussi, on remercie les riverains. Qu'ils cessent de nous insulter avec les personnalités de la mairie d'arrondissement et du DAL aussi, qui nous ont aidé à camper devant la rue comme ça, et que c'est pas confortable. Mais c'est ça, voilà, c'était ça qui. Voilà, c'était déjà ça. Et merci aussi au studio de Rage qui nous a permis de nous rassembler encore pour parler. On remercie aussi. Nous remercions aussi à nos valeureuses voisines telles que Sabrina et Valérie qui ne sont pas cessées, qui n'ont pas cessé de venir nous apporter leurs aides. On les remercie aussi beaucoup. Et je remercie tout le monde et que voilà, que la lutte continue. Je dis à mes amis sénégalais, africains, on est des lions. Le lion, quand il est blessé, il est encore plus rude du temps. Du courage. Tuki, lobo sore 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 sore. Heba, samba kaba, come on. J'ai rencontré Youssouf et la chanson qu'on va vous jouer, c'est une chanson que j'ai beaucoup jouée là-bas qui n'existerait pas si on n'avait pas connu cet endroit dans lequel de créativité, de partage, de création, de très belles choses. Comme Marie est venue de Vladimir, grâce à l'Ermitage, moi elle on s'est connu, mais avant ça d'abord, moi je connais là-bas à travers mes frères qui sont dans la salle, Abou Diallo, Sabou Sagna, tout le monde. Donc, et Basile aussi. Tout le monde, ça fait 10 ans déjà, je fréquente là-bas. Et comme il vous a dit, le Diligoli, je vais jouer un tout petit peu avant que Marie elle commence. Thank you.
Vas-y, Youssouf, t'écoute, respire-toi. Ces lieux là où on est, moi je suis arrivé ici en 2000, voilà, ces lieux s'appelaient le studio de l'Ermitage, comment on appelle, le théâtre de l'Ermitage, théâtre de la fortune, voilà, donc moi j'étais ici à l'époque, je passais là aussi, donc pour dire à mes amis qu'une autre vie est possible, quoi. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, donc on ne peut pas baisser les bras. Thank you.
Yeah.